On va s'intéresser maintenant à la notion de champ électrostatique. Et avant de parler de champ électrostatique, nous allons définir la notion de champ elle-même. Qu'est-ce qu'un champ ? Pour définir ceci, nous allons prendre l'exemple de la météo. Si l'on regarde la météo sur la France, on nous présente généralement deux types de champs. Le premier va être le champ de température. On va nous dire qu'à ces endroits, par exemple, il fait froid, alors que à ces endroits, il fait chaud. En un point de l'espace, il y a une grandeur de température qui est donnée. On a donc affaire à un champ de température. Cela signifie que le champ de température est un champ scalaire, c'est-à-dire qu'on donne une seule valeur en un point de l'espace, ici de la surface de la France. Le deuxième champ que l'on va rencontrer, c'est le champ des vents. On va avoir affaire alors à un champ vectoriel. Si on le représente sur la carte de France, on va par exemple avoir en un point de l'espace une flèche, c'est-à-dire donc un vecteur avec un point d'application, un sens, une direction et une norme. Cette information va être disponible pour tous les points de l'espace. Donc, deux types de champs, un champ scalaire, un champ vectoriel, par exemple le champ de température, en un point de l'espace nous avons une grandeur scalaire qui est donnée, un champ vectoriel, en un point de l'espace nous avons un sens, une direction, un point d'application et une norme. Le champ électrostatique est un champ vectoriel. En effet, si on a une charge qui est positionnée dans l'espace, sa seule présence permet de rayonner tout autour d'elle un champ électrique qui a une direction, un sens et une norme donnée. Si par exemple on est en un point M de l'espace, le champ électrique créé par cette charge Q1 en M va avoir la direction PM et une norme qui dépend de la distance entre P et M. Si jamais on déplaçait le point M, par exemple on prenait un point M ici, nous allons voir que la direction PM est conservée pour le champ électrique, mais le point M étant plus proche de la source du champ, eh bien on a un champ qui est plus intense. Troisième exemple, si par exemple ici on avait un point M, le champ serait dirigé comme ceci, avec une norme très importante, puisqu'on est très proche de la source du champ. Remarquons que le champ que nous venons de dessiner s'échappe de la charge qui crée le champ, c'est-à-dire que le vecteur est dirigé vers l'extérieur par rapport à la charge électrique. Dans le deuxième schéma, nous voyons que le champ électrique est à l'intérieur, vers la charge qui crée le champ. La différence vient du fait que pour le premier schéma, la charge est positive. Lorsque la charge est positive, le champ électrique s'échappe de la charge. Dans le deuxième cas, la charge est négative. À ce moment-là, le champ électrique est dirigé vers la charge qui crée le champ. Pour le deuxième schéma, si on avait fait un point M ici, on aurait un champ électrique qui serait comme ceci. Ou bien ici, le champ serait comme ceci. Il va donc falloir que l'on donne une expression vectorielle correspondant à ces sens de champ. Eh bien, on va pouvoir écrire que le champ créé par la charge ponctuelle Q1 s'écrit E égale Q1 sur 4pi. Epsilon 0 PM carré fois U vecteur unitaire. Le vecteur unitaire, nous allons le définir comme étant égal au vecteur PM divisé par la norme de PM. On a bien ainsi un vecteur unitaire puisqu'on a PM en vecteur divisé par sa norme. On a bien une norme de 1 et un vecteur U unitaire dirigé dans le sens de PM. Q1, c'est la charge source du champ, charge source du champ, qui s'exprime donc en coulomb. Ici, on a le champ électrique créé par Q1,
L'unité du champ électrique, on le verra dans le chapitre 2, est en volts par mètre. Epsilon 0 est toujours égal à la permittivité du vide. Et donc PM, c'est la distance de P à M qui est au carré. Et toujours exprimé en mètres. Nous voyons bien que cette expression est valable quel que soit le cas schéma numéro 1 ou schéma numéro 2, puisque dans le cas où la charge est positive, le champ électrique est dirigé suivant le vecteur U, donc suivant le vecteur PM. Si la charge est cette fois-ci négative, alors on va avoir un champ électrique dirigé suivant moins le vecteur U, donc moins le vecteur PM. C'est ce qu'on observe dans la deuxième situation. Il faut bien comprendre que, au niveau du point M, il ne se passe rien. On sait qu'il y a un champ, qui est ici noté grand E, mais le point M n'étant pas chargé, il n'y a pas d'action réelle sur le point M. Par contre, si on vient mettre une charge Q2, par exemple positive, sur le point M, eh bien à ce moment-là, elle va subir une force de Coulomb, qui va être répulsive, et donc c'est la force de Q1 sur Q2 qui va dépendre du champ électrique créé par la charge Q1. En effet, on va pouvoir écrire que F de Q1 sur Q2 va être égal à Q2, la charge qui va subir le champ, fois E, le champ électrique créé par Q1. On obtient donc Q1 Q2 sur 4pi epsilon 0 Pm carré fois U, et on se retrouve avec l'expression de la force électrostatique que l'on a vue précédemment. Si les deux charges ont le même signe, alors il y a répulsion, donc la force est dirigée suivant le vecteur U, c'est-à-dire suivant le vecteur Pm, et elle est bien dirigée ici comme on l'a écrit sur le schéma. Donc le champ existe au niveau du point M, mais la force de Coulomb n'existe que s'il y a une deuxième charge qui est mise et qui va subir le champ créé par la première charge. Voilà un aspect très important. Bien sûr, il y a toujours interaction électrostatique et on peut retourner le problème. Si jamais on dit que Q2 est mis en premier, elle va créer un champ au niveau de Q1 qui va être dirigé vers la gauche et donc Q1 subira une force de Coulomb électrostatique dirigée dans le même sens que le champ créé par Q2 au niveau de Q1. On va s'intéresser maintenant au champ créé par une distribution discrète de charge électrique. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une distribution discrète? Eh bien, tout simplement, ce sont des charges qui sont accolées les unes aux autres, qui sont ponctuelles et que l'on peut compter. Charge ponctuelle située proches les unes des autres et que l'on peut compter. Donc par exemple, si on en dessine une, ici une charge Q1, ici une charge Q2, ici une charge Q3, voici une distribution discrète de charges. Eh bien, le champ électrique créé par cet ensemble de charges est la somme des champs électriques créés par chacune des charges. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Les champs électriques créés par chaque charge vont se superposer. Il y a donc additivité des champs électriques. On va écrire ça mathématiquement de la façon suivante. E va être égal à la somme de I égale 1 à N de QI sur 4pi epsilon 0 PI M au carré fois UI avec le vecteur unitaire UI qui sera égal à PIM sur PIM. Donc revenons sur cette expression. Le champ électrique global en un point M de l'espace, on va le noter d'ailleurs. Ici, on travaille en un point M de l'espace. Le champ électrique global vaut la somme
de I égale 1 à N charges dans la distribution discrète. QI sur 4 pi epsilon 0 PIM au carré. Ça, c'est le champ créé par la charge I en un point M. Fois le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire qu'on l'on fait apparaître comme UI ou alors comme PIM, le vecteur PIM, qui donne bien la direction et le sens du champ, divisé par la norme de ce vecteur-là, donc PIM. Voici la distribution discrète de charge et le champ électrique associé.